Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will. Tag ein, Tag aus, wer weiß wohin. Verbranntes Land, und was ist der Sinn? Ganz allein in dunkler Nacht hab ich oft daran gedacht, dass weit von hier der Vollmond scheint und weit von mir ein Mädchen weint. Und die Welt ist doch so schön, könnt ich dich noch einmal sehen. Nun trennt uns schon ein langes Jahr, weil ein Befehl unser Schicksal war. Wahllos schlägt das Schicksal zu. Heute ich und morgen du, ich hör von fern die Krähen schreien im Morgenrot. Warum muss das sein? Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand. Zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei. Amis des Panzers, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vietman Spirit. Alors aujourd'hui, comme prévu les amis, on se retrouve donc avec la présentation du VFW. Donc le char qui était à gagner, enfin un des véhicules à gagner dans le défi génie militaire. Donc là je suis quand même content de l'avoir débloqué, on va dire, parce que c'est vrai que c'était pas gagné que je sois dans les bons créneaux, vu que à chaque fois je suis jamais dispo à cause du boulot. Et là bah, c'est bien tombé, donc j'ai pu me mettre dessus. Donc là vous voyez tout de suite les blindages, hein, c'est plutôt léger, 20 et 12 mm à l'avant, donc bon, autant dire il n'y a quasiment pas de blindage. Par contre le temps de rechargement à 4 secondes, ça c'est vraiment très bon. Et le véhicule est assez rapide, c'est assez surprenant parce qu'il est donné à 60 km en maxi. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu l'occasion d'aller si vite avec. Mais franchement, bon, voilà. Après, le niveau du blindage, ouais, comme je vous disais, 12 sur la protection du canon et 20 sur le châssis. Donc c'est vraiment très léger, hein. Honnêtement, bon, c'est quasiment rien. Et puis là, bon, dans la configuration, quand vous avez les panneaux de protection ouverts, bon, bah là, c'est encore plus compliqué puisque l'équipage est encore plus vulnérable. Donc ça, on va voir un petit peu après ce que j'en pense entre la version fermée ou ouverte. Donc là, vous voyez un peu la conception du char. Donc les munitions sont assez bas et bien alignées à plat. Donc c'est pas mal, il n'y a pas de grosses caisses assez volumineuses où les munitions sont stockées. Comme le camion semi-chenillé FLAC 88 qui est facile à détruire pour ça, puisque toutes les munitions sont à l'arrière dans une caisse. Là, c'est plutôt bien planqué. Voilà, donc là, vous voyez, le véhicule est quand même assez imposant. Hein. La culasse du canon 88 dessus est vraiment énorme. Ça donne vraiment une allure assez impressionnante au véhicule. Bon, après, voilà, il va falloir être malin quand on veut jouer un véhicule comme ça. Parce que c'est vrai que la résistance, elle est vraiment, vraiment limite. Mais vous allez voir que même par moment, c'est même surprenant des fois. Malgré le peu de blindage, vous allez voir que... Je prends des fois des coups et je suis toujours en état de marche. Finalement, ça revient un petit peu au véhicule anti-aérien qu'on a du mal à détruire. En fait, les tirs ennemis ne font que traverser le char et s'ils ne touchent pas les équipages, bah, finalement, vous êtes toujours actif. Bon, à part si vous avez le canon endommagé, évidemment, ça se complique. Mais vous allez voir que finalement, bah, c'est pas si dramatique que ça qu'il soit si léger en blindage.
Donc là, dans le premier gameplay sur Cologne, je vais monter une embuscade. De toute façon, vous avez plutôt intérêt à monter des embuscades avec ce véhicule. Hein. Parce que bon, on peut se permettre d'avancer un petit peu et de tirer à vue, mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus risqué. Et là, je vais monter l'embuscade sur le point C, comme d'habitude. Et ça va être assez intéressant et assez bon, finalement. Alors, là, sur cette première partie, donc vous voyez que j'ai les panneaux de protection qui sont fermés. Donc là, c'était une dans mes premières parties. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, alors, évidemment, hein, vous avez plus la rotation à 360. Mais de toute façon, la tourelle est quand même assez lente. Donc si un ennemi surgit sur le côté, c'est vrai que c'est assez compliqué pour tourner le canon. Après, il faut essayer de bouger le châssis du char en même temps pour un petit peu améliorer la rotation. Mais bon, après, voilà, ça, il se joue comme un chasseur de char en réalité. Hein, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'aviation, bon, le canon est beaucoup trop long dans les mouvements. Et vous aurez vraiment beaucoup de mal à suivre un avion ennemi. Hein, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est clair que ça va être un char qu'on va jouer vraiment que en chasseur et contre les unités au sol. Bon, après, vous n'êtes pas... C'est possible aussi de détruire un avion si vous le visez de loin et qu'il arrive sur vous et que vous avez le temps de l'aligner. Mais c'est vrai que voilà, son utilité, ça va vraiment être contre les chars ennemis. En plus de ça, voilà, la mobilité est assez bonne. Le char monte très vite en régime. Vous ne mettez pas longtemps à vous déplacer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il a une bonne mobilité, ça aide. Donc là j'ai été surpris parce que je pensais qu'il allait être pataud ce véhicule et en fait pas du tout. Alors c'est sur les bases d'un châssis de Panzer IV, vraiment très modifié. Hein. Voilà, apparemment c'est comme ça que ce char a été conçu. C'est resté au stade de prototype hein, puisqu'il y a eu un exemplaire visiblement. Donc là je me place ici et en fait j'ai pas pu vraiment me placer autrement parce que en fait dans la partie soit on est arrivé très tard ou les autres sont sortis vraiment ou vont arriver très vite, je ne sais pas, mais en tout cas on avait déjà les ennemis au coin de la grande rue parallèle. Donc là j'ai des alliés voilà, qui sont déjà au contact. Donc là il bah, n'y a plus qu'à passer à l'action. Voilà, donc là on a un premier ennemi qui arrive. Bon bah là, là de face comme ça, il n'y a aucun problème. Hein, vraiment on voit la puissance du char, vous voyez que j'ai déjà rechargé. Hein, c'est vraiment impeccable. Donc là, bon bah là, comme j'ai les protections latérales fermées. Donc vous voyez que je suis quand même un peu plus limité si je dois essayer de tourner la tourelle sur la gauche. Et, bon, on a quand même une bonne dépression à droite et à gauche, même avec les panneaux fermés. Hein, c'est quand même pas si mauvais que ça. Donc là, on va essayer d'aider l'allié. Alors, je sais pas combien ils sont à ce moment-là dans la rue. Bon, après, c'est clair que le véhicule, il est quand même assez gros, on vous repère assez vite. Donc là, bon là, j'ai loupé le tir, j'ai tiré un peu trop vite, j'ai tiré dans la ruine, visiblement. Mon allié est détruit, donc là, ils l'ont débordé à deux. Donc là, il y a M26, donc là, on va le prendre sans problème. Là, je vais péter le canon. Et on se rapproche, donc là, vous voyez, j'ai déjà rechargé, j'ai plus qu'à le finir. Donc là, vous voyez, à travers Glacis, je le transperce sans problème. Hein. Alors que quand vous êtes avec un Tigre 2, même un Panther, vous avez du mal à passer le blindage à M26. Là, on voit que c'est rentré tout seul. Donc là, je m'approche. Là, on a M18 qui est juste ici, mais je vais avoir du mal à le toucher. Donc là, vous voyez, là, voilà, je suis arrivé au maximum de ce que je peux au niveau du canon. Je ne peux pas le faire pivoter plus que ça. Donc là, on va aller se replacer de l'autre côté. Parce que là, à ce moment-là, j'ai hésité. Je me suis dit, il va vite me contourner. J'ai vraiment cru que ça allait se passer comme ça, mais en fait il est pris à partie avec un de mes alliés. J'avais un allié qui était juste ici. Donc là, à ce moment-là, j'ai hésité, mais non, il est bien par là. Donc là, on va essayer de le démolir rapidement. Et puis alors, il bouge tellement vite, vous voyez là, pourtant je le touche bien, mais ça, finalement je le traverse. Voilà, vraiment les petits véhicules sans blindage, c'est toujours compliqué. Bon, le deuxième coup, je le prends bien au milieu, donc là, j'ai bien sauvé mon allié, pas de problème. Donc là, on va se replacer. Donc là, on va essayer de protéger le point C, parce que là, les ennemis sont en train de le prendre. Alors, il faut pas, il faut vraiment essayer de sortir au bon moment, hein, parce que c'est vrai que... Donc là, je vois que ça tire. Donc là, je regardais, parce que j'étais pas sûr, donc ça tire bien du côté C. C'est pas un ennemi qui vient de la grande rue, donc là, je peux sortir. On va donner le coup de main. Dans la fumée au début j'ai pas vu tout de suite où il était, donc là on a un Sherman qui est en travers ici. Voilà. Là, un deuxième ennemi. Là dans tout ce bordel de fumée je vois pas bien où il est. Donc, par contre la marche arrière est assez mauvaise. Hein. Bon évidemment on peut pas tout avoir. Hein.
Il est plutôt lent rechargement. Là, vous voyez l'ennemi. Il est juste en face, mais là, je le vois pas encore vraiment. Alors, heureusement pour moi, il va avancer. Donc là, c'est impeccable. Voilà, terminé. Bon, je m'en sors pas trop mal. Donc vous voyez quand même que je prends des coups quand même assez violents. Et le char, bon là, évidemment, il y a l'aviation qui s'y met. Alors là, comme d'habitude, ça va devenir compliqué. Donc là, il est en train de me massacrer mon équipage. Voilà, j'ai pas mal de monde qui est inconscient ou mort. Donc là, malheureusement pour moi, vous voyez, il y avait le Sherman qui m'avait pas vraiment vu puisqu'il était pris à partie avec un allié. Si j'avais pas eu l'avion, je pense que j'aurais eu le temps de finalement de réparer ou en tout cas manœuvrer mon char pour pouvoir éliminer cette menace. Et puis bah, l'aviation a fait que j'ai pas pu faire grand chose. Donc c'est terminé pour cette première partie, hein, puisque finalement, bon après, ça a été une hécatombe avec l'aviation encore une fois. Donc puis bon, là ce qui nous intéresse, c'est vraiment une vidéo sur ce char. Donc là, on part sur usine abandonnée. Bon, c'est pareil, je vais monter l'embuscade à un endroit où j'aime bien. Puis il va falloir vraiment en fait se planquer avec. Parce que depuis que je joue, c'est pour ça que je jouais plus non plus les véhicules à casemate ouverte. C'est que les avions, mais ils ne vous lâchent pas. À chaque fois que vous êtes repéré, enfin en tout cas qu'il y a des ennemis dans le ciel, vous êtes les cibles prioritaires. C'est tellement facile de démolir un char ouvert. Vous faites un simple mitraillage, vous tuez tout le monde. Et je vous jure que depuis que je teste le véhicule, ça fait plusieurs jours, je suis quasiment détruit à 80% systématiquement par l'aviation. Donc c'est assez frustrant. Parce que par moments, je suis bien placé, je fais de bons dégâts, là, je suis en train de faire de bonnes parties et tout s'arrête avec un simple mitraillage de l'aviation. C'est vraiment pénible. Et c'est pour ça que je jouais plus trop ces chasseurs ouverts. Et bon, bah là, c'est le même problème. Hein, qu'on ait les panneaux fermés ou ouverts, ça change strictement rien. Donc là vous voyez donc sur cette config j'ai les panneaux ouverts. D'ailleurs au départ j'ai pas compris comment ouvrir les panneaux et c'est ce que je regrette un petit peu, c'est qu'en fait vous pouvez les ouvrir ou les fermer mais que quand vous êtes dans le garage et que vous allez dans les modifications et en fait vous désinstallez le blindage additionnel ce qui vous ouvre les panneaux latéraux. Mais bon, c'est en fonction des parties dans les cartes dans lesquelles on se trouve, c'est dommage qu'on puisse pas le faire avant de se lancer dans la game. Parce que du coup, bon, bah, y a des cartes qui sont plus ou moins adaptées à ouvrir ou pas. Et ça, on peut pas le faire, c'est vraiment dans les menus avant de lancer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, donc là, à ce moment-là, j'avais ma crainte, c'était de ne pas pouvoir rentrer dans les petites ouvertures. Mais vous voyez qu'en fait, les panneaux, ils sont pas vraiment comptés comme. Et en fait, vous passez à travers les murs, les panneaux sont pas trop pénalisants finalement. Donc là, il y a un ennemi qui est en train de traverser à toute berzingue, on va le cueillir. Voilà, il est bien pressé celui-là, il est bien par ici, voilà, l'anglais, voilà, terminé. Donc là, bon, je vais me replacer dans le hangar hein, et je vais essayer de protéger le secteur pour pas se faire encercler, puisque dans cette carte, c'est vrai que ça va vite à se faire contourner. Et en plus de ça, là, je suis quand même à l'abri s'il y a des avions, je suis quand même dans le hangar, je suis pas trop visible. Qui arrive par ici. Alors, on va se placer là tranquillement. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, c'est vrai que c'est un véhicule, voilà, c'est assez assez compliqué, mais c'est assez intéressant à jouer et il fait vraiment plaisir à l'utiliser. Donc là, voilà, c'est vraiment... Ce qui est vraiment bon, en fait, c'est les temps de rechargement, hein, c'est clair. Et puis, bah, la puissance du 88, la portée, je vais prendre un coup à ce moment-là. J'avais pas vu et je vois toujours pas d'où ça vient. Heureusement, je vais vite pouvoir me redéplacer. C'est vrai que là, les coups portés à 223 mm, bon, ça fait quand même la différence. Ce qui manquait un petit peu pour certains chars dans cette catégorie. Bon, ben, y a des fois où vous vous retrouvez dans du tier 4, hein, du bon tier 4 avec. Mais bah, finalement, vous en sortez quand même. La force de frappe, fait qu'on peut quand même rivaliser. Bon, le tout là, c'est vraiment de très bien se placer. Parce que c'est vrai que dans le tier 4, ça va vite au niveau de la force de frappe à se faire démonter en 2-2. Donc là, vous voyez la marche arrière, hein, c'est quand même pas le top. Donc là, on va se replacer ici tranquillement. On va essayer de voir venir un petit peu. Donc là je suis pas mal. Donc là je sais qu'il y a un ennemi qui m'a ciblé hein, puisque le bombardement on voit bien que c'est axé sur ma zone à moi. Alors, on va essayer de ressortir.
Donc là, c'est des véhicules. Bon, voilà, après, le gagner comme ça, c'était sympa. Je l'aurais certainement pas acheté en mode premium, parce que là, du coup, il est premium, le char. Et c'est vrai que j'aurais pas dépensé quand même un certain prix pour ce véhicule, même s'il est fun. Bon, ça reste un véhicule compliqué et bon, c'est pas non plus, à mon avis, hyper rentable à jouer souvent. C'est vraiment pour se faire plaisir un petit peu et changer un petit peu de façon de jouer et de catégorie de véhicule un petit peu à part. Mais là, pour le coup, en la fabrication, bon, ça a pris entre 15 et 20 heures à peu près pour le débloquer. Il y a un moment, il me manquait plus que deux pièces sur l'avion, j'arrivais pas à les avoir. Du coup, j'ai dépensé 600 aigles. Il y a un petit char à la con. Je déteste ce petit véhicule, le petit M22. Heureusement que je m'en débarrasse rapidement, parce qu'une fois qu'il vous a pris au corps à corps, il est collé à vous, vous pouvez plus le toucher. Donc là, c'est impeccable. Et donc, j'ai acheté le manuel de technique qui est disponible pour vous aider à rechercher les modules. Donc, ça m'a coûté 600 aigles. Donc, c'est le seul achat que j'ai fait dans la recherche de ce véhicule. Je m'étais dit, de toute façon, il est hors de question que je dépense plus. Donc, ça m'a coûté 5,99€. Et pendant 2 heures, pendant 2 heures, j'avais les recherches un petit peu accélérées, on va dire. Ça m'a permis d'avoir mes deux pièces qui me manquaient plus rapidement. Et du coup, j'ai pu finir ma recherche tranquillement et finaliser la construction de l'avion. Donc là, je suis en train d'en faire un deuxième, puisque j'aurais bien voulu essayer de débloquer le deuxième char, Merkava, là. C'est le char israélien, enfin, dans la branche US. Mais il en faut deux, il faudrait que je refasse deux avions encore. Donc ça me paraît compliqué maintenant que j'ai repris le boulot. Là, c'est sûr, le deuxième avion, je vais réussir à le finir, mais en faire un troisième, du coup, j'aurai jamais le temps avant jeudi, hein, ça m'étonnerait. Mais bon, en tout cas, le principal, c'était de débloquer ce véhicule-là. Ma priorité, c'était le char allemand, bien entendu. En plus, période Seconde Guerre mondiale, comme ça fait un moment qu'on n'en voit plus, c'était vraiment ça qui comptait. Donc, je suis quand même assez ravi, pour une fois, d'avoir réussi à débloquer un char dans les temps impartis. Donc ça fait toujours plaisir. Donc là, à ce moment-là, je vais essayer de me rapprocher un petit peu du point là, parce qu'à ce moment-là, je suis quasiment sûr que c'est de mon côté que ça va réattaquer, parce que quand vous voyez la carte, j'ai tout le gros de mon équipe qui est en train de foncer sur le spawn ennemi là-haut, et c'est sûr que les ennemis vont réapparaître dans le bas. Donc je me dirige directement sur ma zone pour essayer de voir s'il y a des ennemis qui tenteraient quelque chose. Là, vous allez voir que ça va pas traîner, il y a déjà un ennemi qui arrive ici. Là, on va avoir un T-34-85 qui va passer gentiment en travers, donc là c'est impeccable. Vous allez voir que ça va pas faire un pli, bien entendu, surtout là, sur le flanc, même par ici. Voilà, ça c'est bon. Donc là, j'ai un petit coup d'œil quand même avant de partir, parce que c'est vrai qu'on voit toujours au dernier moment les ennemis qui surgissent un petit peu entre tous ces obstacles de caisses, de conteneurs, etc., de petits murets. Là, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur la zone au cas où. Alors, oui, et puis en fait, ce que j'aurais bien aimé aussi, enfin bon, de toute façon, là, ça, peut-être que ça se fera, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent le Storm Tiger à gagner dans un défi comme celui-là, par exemple. Comme c'est un véhicule un petit peu rare, ça serait sympa qu'ils nous fassent aussi comme ça, à gagner en remplissant des tâches bien précises. Je pense qu'à un moment ou à un autre on le verra, le Storm Tiger, puisque ils nous ont bien mis le Brumbar, donc il y a un moment celui-là arrivera certainement. Et là celui-là c'est pareil, il me ferait vraiment plaisir, parce que là c'est vrai que celui-là est assez atypique. Et avec son canon de 380 mm au niveau de la munition, il est assez monstrueux. Donc ça serait vraiment sympathique de le voir apparaître sur le jeu. Parce que bon, après dans les chars Seconde Guerre mondiale, on voit bien qu'en ce moment il n'y a plus grand chose. Donc finalement, même celui-là, c'est déjà assez surprenant qu'il nous propose ça. Je pensais pas qu'il reviendrait sur des véhicules comme ça, en tout cas de cette période. Donc à espérer que ça se fasse prochainement. Donc là, bah, finalement, pas grand monde arrive, hein, mais bon, au moins j'étais bien placé si c'était le cas. Donc là, vous voyez que finalement, bon, que j'ai ouvert les panneaux ou pas, ça change pas grand-chose. Donc pour moi, les panneaux, c'est bien quand vous êtes sur une position assez éloignée, on va dire.
et vous faites des tirs en mode sniper sur des tirs longue portée, et là vous pouvez éventuellement avoir le temps de tourner votre tourelle, d'ajuster vos tirs sans trop vous déplacer. Mais quand on est un petit peu en milieu urbain ou des combats un petit peu rapprochés, bon, c'est pas non plus super vital d'avoir les panneaux ouverts, surtout que comme je vous disais le char est assez mobile. Et en ayant les panneaux fermés, j'ai réussi quand même à pivoter, à faire face à l'ennemi et à manœuvrer, à pouvoir lui tirer dessus sans avoir une peine pas possible à ajuster le canon. Donc voilà, après c'est à vous de voir si ça vous préférez les panneaux ouverts, mais sachez bien qu'avec les panneaux ouverts, quand un ennemi vous tire dessus, ça va encore plus vite pour que l'équipage y passe. Même si les panneaux, quand ils sont fermés, ne sont pas non plus une protection incroyable, ça limite un petit peu quand même la casse, on va dire. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est l'aviation qui fait surtout mal. Le nombre de parties où je suis prêt à partir, c'est pas de le dire, par l'aviation, c'est vraiment, vraiment pénible. Soit des ennemis qui viennent se venger, ou tout simplement la plupart des aviateurs, quand ils voient des chars ouverts, bon, bah, ils savent qu'un simple passage avec un coup de mitrailleuse et c'est fini, hein, ils vous détruisent, c'est tellement facile. Donc, voilà, c'est un petit peu le côté frustrant sur ce genre de véhicule. Donc là j'ai entendu que ça dégommait, et là je suis surpris parce qu'en fait le KV2, j'avais l'impression qu'il venait de tirer, ou alors c'en était un autre. C'est pour ça que je me suis approché comme ça, et là j'ai vraiment chaud parce que à ce moment-là, bon, je sais que le KV2 a un temps de rechargement plutôt long. Et là moi je suis en difficulté, là j'ai mon équipage qui est inconscient, j'ai une réparation. Donc là, à ce moment-là, c'est toujours pas disponible. Et là vous voyez, il me met un deuxième coup, je prends quand même un coup de face par un KV2. Et vous avez vu, ça n'a quasiment rien fait. En fait, l'obus est passé d'un bout à l'autre. Et là, cette fois-ci, là, je vais pouvoir... Là, bon, là, il n'aura pas le temps de retirer. Mais là, ça va jouer vraiment à pas grand-chose. Voilà, donc là, je suis... En plus, il ne tire pas sur moi. Donc, je pense qu'il pensait que j'étais plus neutralisé que ça. Et ça me permet de m'en débarrasser. Mais là, j'ai eu chaud, hein, faut être honnête. Il a préféré détruire l'ennemi qui était tout près de lui. Bon, en même temps, il était sur son flanc. Donc, c'est un petit peu compréhensible aussi. Et puis, finalement, bah, moi, ça m'a permis de m'en sortir. Parce que là, j'avais pris quand même un sacré coup. Mais vous avez vu, j'ai pas été détruit, hein. J'ai pas été one shot. Donc, bah voilà, ça se finit quand même plutôt bien. Je suis pas mort avec, donc c'est déjà pas mal. La partie, vous avez vu que bon, il faut rester quand même assez discret et avoir l'effet de surprise pour avoir vraiment un effet efficace avec ce véhicule. Mais j'essaierai de vous refaire des vidéos avec prochainement. En mode plus combat rapproché, en déplacement dans des, enfin, sur des cartes en mode urbain, je pense que ça devrait le faire. Je vous montrerai ça. Et bien voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je continue ma recherche sur Léopard 2A5, donc vous voyez que ça avance. Donc à suivre. Bon bah les amis, bonne journée à tous et à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.